Je souhaite la bienvenue devant l'église paroissiale de Bionne. Bionne est la paroisse la plus élevée de toute la Valpelline. Elle se trouve à 1600 mètres d'altitude. Elle est dédiée à Sainte Marguerite. Sa construction est de 1694. Et parce que la paroisse avait été fondée déjà en 1640 en employant l'église, la chapelle précédente dédiée à Sainte Marguerite d'Antioche. C'est pour cela que sur la façade de l'église, nous trouvons un fresque peint par Mazzini qui représente la sainte titulaire, Sainte Marguerite, bien sûr, avec Saint Gras, patron du diocèse d'Oste, et Saint Bernard, patron des montagnards et des alpinistes et des habitants des Alpes. Voilà, l'église paroissiale donc dédiée à Sainte Marguerite, elle a été bâtie, comme je viens de le dire, en 1694. Le maître-autel occupe le fond du presbytère. Il a été construit par des artisans inconnus au début du 18e siècle et il a été restauré au 19e siècle quand on a refait ou ajouté les deux tympans latéraux. Tandis que les autels mineurs qui se trouvent dans la nef sont dédiés l'un à la Sainte Vierge et l'autre à Saint Jean-Baptiste, à Saint Bernard. Dans le maître-autel, revenons donc au maître-autel, la partie centrale est occupée par le retable de Sainte Marguerite, entouré d'autres saints, tandis qu'en haut, toujours sous le tympan, au-dessus du tympan, nous trouvons la statue du Christ ressuscité, le Christ roi qui tient en main la croix et le monde, c'est vraiment le Seigneur et le Christ de l'univers. Le maître-autel est en bois peint, en partie doré, et il est très intéressant pour ses fresques, ses colonnes torses, ses tympans, les peintures et tout ce qu'on trouve, disons, dans les églises traditionnelles de la montagne, de la vallée d'Oste. Et cela, c'est une culture qui se répand à travers les Alpes occidentales. À la droite du maître-autel, la statue très particulière de Saint Prégé. En patois, ce saint est appelé Prézette et il est censé de faire retrouver la parole aux enfants qui ont des difficultés, qui sont mal mis vraiment dans le langage. Autrefois et encore maintenant, de temps à autre, on apporte des enfants qui ont des difficultés de parole pour demander l'intercession de Saint Prégé afin que cet enfant recouvre la facilité de parler. De l'autre côté du maître-autel, c'est une statue très grossière, mais sympathique quand même, de Sainte Marguerite, la sainte titulaire de la paroisse. Le peintre Mazzini est enseveli dans le cimetière de Bionne et en 1949, il a décoré le presbytère de l'église par cette peinture qui représente le Sacré-Cœur. L'autel du Rosaire est tout à fait intéressant. La statue de la Vierge est entourée par les 15 médaillons qui sont des authentiques petits chefs-d'œuvre. Chacun d'eux a été sculpté et doré par avec des détails très, très, très sympathiques, d'un réalisme et aussi d'une vitalité qui ressortent du bois et des couleurs elles-mêmes. L'autel de Saint Jean-Baptiste de Saint Bernard est dû à la main de Giacomo Molino, un artiste de Campertogno dans la Valle Sesia. Il est du 1841. On a les documents dans les archives. C'est un autel classique, néoclassique, qui remplace un autel précédent qui évidemment avait été démoli ou bien avait été abandonné à cause de la pourriture des éléments. En effet, de l'autre côté, en face,
on trouve celui qui est vraisemblablement l'ancien retable de l'hôtel, parce que les mêmes sujets, les mêmes personnages sont peints dans le tableau. Le petit musée a été aménagé en 1986 et on a réuni ici les statues, les objets d'art et de culte de la paroisse et de l'église. La chose principale, la plus importante, c'est la croix que les historiens de l'art datent du XVe siècle, et aussi le petit coffre reliquaire qui est à peu près de la même époque, fin du XVe, début du XVIe siècle. Et tout à fait intéressant, et aussi la chasuble que l'on voit dans le fond, parce que d'après la tradition, aurait été donnée à la chapelle de la Léchère par l'évêque de Paris qui s'était réfugié là-haut lors de la Révolution française. Une autre chose particulière, bien sûr pas très importante mais sympathique, c'est un long ruban qui représente la longueur du sanctuaire, donc la longueur du corps et que le sanctuaire de Turin aurait enveloppé. Et on trouve vraiment la lunghezza del corpo del Signore Gesù Cristo. Descendant de la vallée, en partant de Bionne, on retrouve la petite paroisse de Oyas, dont l'église se trouve bâtie sur un mamelon rocheux au centre du territoire. Elle est vraiment l'église au milieu des gens, au milieu du village, au milieu de la vallée, au milieu des fidèles. L'église est bâtie sur un mamelon rocheux, ce qui a fait dire à un vieux prêtre, curé d'Oyas, qu'elle avait été fondata supra petram. Nous sommes à l'intérieur de l'église paroissiale dédiée à Saint-Michel. La paroisse a été érigée par l'évêque Monseigneur de Sales en 1775, et l'église a été bâtie sur une précédente chapelle qui datait probablement de la fin du 1500. Et puis l'église encore a été agrandie et ajoutée du fond de la façade au début du 1900, c'est-à-dire en 1915. Et c'est depuis lors que cette église a rejoint la figure que l'on voit maintenant. Elle est une nef avec deux chapelles collatérales qui abritent les deux hôtels mineurs. Tandis que le maître hôtel, qu'on vient de le dire, dédié à Saint-Michel, couvre tout le fond du presbytère. Le maître hôtel aurait besoin maintenant d'une petite restauration parce que ses couleurs ont été un peu abandonnées. Mais quand même, cet hôtel frappe par sa simplicité. Le retable de Saint-Michel couvre la partie centrale, tandis que des deux côtés de l'hôtel, on trouve des statues. La première, sur la droite, en regardant, est une statue du XVe siècle, début du XVIe siècle, de Saint-Michel. C'est une statue tout à fait particulière, qui est très semblable à la statue qui a été autrefois dans le clocher de la cathédrale. Tandis que sur la gauche, la statue de Sainte-Barbe a une histoire particulière, parce qu'elle est moderne, dans la fin du XIXe siècle, mais elle a été achetée à Rome par le curé Vauterin, qui était curé d'Oyas à cette époque, et bien sûr elle a été transportée jusqu'à Ostes par le chemin de fer et puis à dos de chariots et de mulets jusqu'ici. Le retable de Saint-Michel du maître hôtel représente le Saint-Archange qui vient de terrasser le diable, tandis que d'un côté et de l'autre on a la représentation
de Saint Gras, patron du diocèse d'Ost, et de Saint Pantaléon, patron de la paroisse de Valpelline, et donc dans le temps aussi saint titulaire de toute la vallée de Valpelline. Le peintre Francesco Margotti de Turin a décoré l'intérieur de l'église en 1916 pendant la Grande Guerre, et dans quatre grands tableaux, il a représenté le mystère de l'Eucharistie. Tout d'abord par la multiplication des pains, puis par la Sainte Cène, en continuant avec la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana, et finalement la représentation de la première communion. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est inspiré des habitants de Hoyas pour peindre les personnages qui entourent le Christ. Et là où le prêtre donne la première communion aux enfants, c'est le Christ lui-même qui est habillé en prêtre. Voici devant l'église de Saint-Augustin d'Olomon, la troisième des paroisses de la Valpelline, qu'on préfère dire maintenant les paroisses du Butier, du nom de la rivière qui traverse toute la vallée même. La paroisse d'Olomon se trouve à 1370 mètres. Elle est dédiée à Saint-Augustin, docteur de l'église et évêque. Et après cette petite présentation de l'endroit, on peut entrer à l'église elle-même. Ce qui frappe de l'intérieur de l'église de l'Aumont, c'est son aspect baroque. On se croirait dans une église du Piémont parce qu'on ne trouve plus tellement le bois comme à Biona, comme à Hoyas, comme ailleurs dans la vallée d'Ost, mais on trouve surtout le marbre. L'église de l'Aumont a été construite surtout aux frais de la population, bien sûr, mais aussi du propriétaire des mines de cuivre qu'on exploitait à cette époque-là dans la paroisse d'Olomon. Et alors le propriétaire de ces mines, le comte Perrone de Saint-Martin, avait pu doter l'église d'Oyas, l'église d'Olomon, comme encore l'église de Valpelline qu'on verra plus tard, l'avait dotée de ses richesses, de ses largesses. C'est pour cela que c'est le marbre, l'abondance du marbre qui nous accueille dans cette église. Et nous voici devant le maître-autel étincelant de marbre, comme vient de le dire. Mais dans le fond du presbytère, le grand retable aussi attire l'attention. Au pied de la Vierge, on voit le saint titulaire de la paroisse, saint Augustin, et habillé en rouge, et de l'autre côté du même retable, la figure de saint Anselme, ou bien probablement c'est saint Anselme qui a été représenté dans ce tableau. Et dans le presbytère aussi, on trouve quatre grands tableaux qui représentent les quatre évangélistes. Thank you.
deux autels collatéraux se trouvent dans les bas-côtés de l'église, bas-côtés qui ont été construits vers 1860 en les ajoutant à l'église primitive qui a été bâtie en 1775 lors de l'érection de la paroisse même. La tribune de l'église paroissiale de Lomont est occupée par un grand orgue. Malheureusement, il n'y a pas un organiste, mais cela viendra. Mais j'aime faire noter que cet orgue est décoré par l'étoile de David, le grand chanteur et musicien de l'Ancien Testament, l'auteur des psaumes et le patron aussi du musicien moderne. Tandis qu'à Paris, on commençait la Révolution française, en 1789, à Olomont, on construisait ce magnifique armoire à la sacristie. Voici maintenant devant l'église de la paroisse de Valpelline, la paroisse principale du point de vue économique, historique, géographique et artistique aussi. L'église a été bâtie en 1732 selon le projet de l'architecte et ingénieur Albertolli de Lugano. Et cette église a remplacé la vieille église qui était peut-être déjà du 12e, 13e siècle, on ne connaît rien, mais c'est une église qui a été bâtie donc au 18e siècle. Elle est d'un style tout à fait unitaire et qui s'impose par sa rigueur et aussi pour son ampleur qu'on va voir maintenant à l'entrée. L'autel de l'église de Valpelline est magnifique, en marbre de la fin du XVIIIe siècle. Cet autel a dans son centre le tableau, le retable, qui représente la Vierge et à ses pieds le saint titulaire de la paroisse, saint Pantaléon, mais aussi saint Denis, qui paraît-il était l'ancien titulaire de la paroisse. Et le reste de l'autel est bâti en marbre rouge, noir, avec des décorations et des intarses qui sont tout à fait remarquables. L'autel, comme déjà l'autel majeur de le maître-autel d'Olomont, est dû à la libéralité du comte Perrone de San Martino, qui était le propriétaire des mines de cuivre. Alors il a doté les deux églises, dans le Mont et de Valpelline, de grands autels, comme il a donné aussi des reliquaires et des ornements liturgiques. La richesse et l'importance de l'église de Valpelline se retrouvent dans le nombre des autels collatéraux. Il y en a quatre dans les nefs, et en plus du maître-autel dans le presbytère, tandis que dans les autres églises de la vallée, on s'est contenté de construire deux autels collatéraux. Les quatre autels collatéraux sont en bois et pas en marbre, et tous les quatre sont de la fin du XVIIIe siècle ou bien dans le milieu environ du XIXe siècle. Thank you.
Le musée se trouve au bout de la nef de droite. Il conserve des statues, des ornements et des objets liturgiques. Parmi les plus importants, il faut remarquer la grande statue de Saint Pantaléon qui se trouvait autrefois sur la façade de l'église. Un autre objet qu'on peut remarquer est la petite châsse reliquaire gothique qui a été donnée à l'église de Valpelline par l'archidiacre d'Ost Baudouin Lécuyer. J'aimerais faire noter encore l'ornement liturgique qui se trouve à la gauche. C'est une chasuble du XVIIe siècle qui, d'après les historiens et les experts, est originaire d'une manufacture de Lyon. Et j'aime encore faire admirer la croix digne. C'est une croix en argent du XVe siècle qu'on employait autrefois pour les processions.